Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale, genre de vidéo que j'ai pas du tout l'habitude de faire sur la chaîne, mais après voilà, si jamais ça vous plaît, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, et comme ça, bah, je vous en ferai peut-être plus. J'avais envie, ça fait un petit moment que je vous en parle de cette vidéo-là, j'avais envie de partager avec vous un petit peu, eh bien, ce que j'ai acheté, et donc comme le titre l'indique, c'est un haul bébé. Mais avant de commencer cette vidéo, évidemment, si vous passez par ici et que vous me découvrez, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, et à mettre plein de petits pouces bleus. D'habitude je fais du gaming, Animal Crossing principalement, enfin des jeux Nintendo et Switch, mais aujourd'hui eh bien ça va être un haul bébé sur une marque qui s'appelle Baby Geek. Donc tous les petits bodys sont envoyés dans des petites boîtes comme ça, et franchement c'est mais vraiment trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me dire, et n'hésitez pas à me dire si vous connaissez d'ailleurs la marque. J'en ai plein, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, j'ai 10 bodys à déballer que j'ai pas encore du tout ouvert, donc je les ai juste choisis sur le site, mais je les ai pas vus vraiment ce que ça donnait. J'attendais vraiment de faire cette vidéo avec vous pour les découvrir aussi avec vous. J'en ai reçu deux juste avant, que j'avais déjà regardé, donc que je vais vous montrer. C'est les premiers que je vous montrerai, et puis j'ai trouvé aussi un autre body que je trouvais super trop rigolo, et du coup que je vais vous montrer aussi à la fin de cette vidéo. Je me suis maquillée avec la palette des sœurs doigts de fée dans Animal Crossing, de la collection Colourpop, la collab qu'ils ont fait en fait avec Animal Crossing. Donc ce que je peux vous faire dans un premier temps, c'est qu'avant de commencer le haul, et ben je vais vous montrer juste les palettes, parce que c'est vrai que je vous en ai pas mal parlé pendant un live, et du coup bah on voyait pas très bien, et du coup je vous avais dit que je me remaquillerais avec la deuxième palette, parce que vous avez dû voir la première. La première palette, c'est celle d'ailleurs qui me correspond le mieux, c'est la palette de Céleste, et franchement les couleurs sont super jolies, c'est des couleurs très chaudes, donc voilà ce que ça donne. Je cache juste parce qu'en fait juste en haut il y a un miroir, c'est pour pas qu'il y ait le reflet dans la cam, mais donc voilà ce que ça donne pour cette palette là. Je pense que c'est la palette que je préfère. Après il y avait une autre palette, c'est la palette de Marie, qui était dans des tons un peu rosés, et bah franchement trop jolie, mais il y a eu des ruptures donc j'ai pas pu tout commander. J'espère, normalement à la fin du mois je devrais recevoir la totalité en fait de la collection, et je pense que je vous ferai vraiment, je vous ferai un unboxing, je vous ferai une vidéo crash test aussi je pense pour le maquillage. Du coup là le maquillage que je porte sur les paupières, c'est je vous ferme juste un peu les paupières pour que vous puissiez voir, c'est donc la palette des sœurs doigts de fée, donc voilà ce que ça donne. Donc une palette de couleurs un petit peu plus, enfin carrément dans les teintes de mauve, très jolie aussi, des couleurs peut-être que j'ai moins l'habitude de porter, peut-être ça fait peut-être un peu plus flashy, mais en vrai c'est joli, franchement ça va, c'est joli, c'est pas mal du tout, mais je pense qu'à mon avis c'est pas quelque chose que je porterai tous les jours, et peut-être pas, là j'ai fait un dégradé avec vraiment toute la palette, donc toutes les couleurs, toutes les teintes, je pense qu'à mon avis... j'utiliserai pas tout à chaque fois parce que ça fait peut-être un peu chargé, du coup avec plus l'eyeliner et tout ça fait un petit peu chargé quand même, ça fait un petit peu chargé, mais bon très joli, franchement la qualité des fards sont superbes, j'ai été hyper surprise que la qualité soit aussi bien. Et ben franchement si vous voulez en commander, en tout cas peut-être pas la collab Animal Crossing mais la marque Colourpop, franchement ils font plein d'autres collabs avec Disney, il y a eu quoi d'autre, il y a une collab Sailor Moon qui est juste incroyable, qui est magnifique, franchement allez voir leur site, c'est vraiment super cool, et ben n'hésitez pas à en commander si ça vous plaît parce que franchement la qualité est superbe. Ensuite j'ai reçu également et bien deux rouges à lèvres, franchement la présentation est canon, ça fait comme un espèce de petit stick que vous pouvez ensuite regarder, hop là, vous pouvez dévisser comme ça pour tourner et faire monter en fait le bâton de rouge à lèvres, et donc là vous avez la couleur, donc c'est pêche, il y a les petits, il y a les petites pêches. Vous voyez pas bien, mais sur le capuchon, il y a les pêches. Et ça a l'odeur de la pêche. Et franchement, il est super agréable. Et ils tiennent très bien. Bon, c'est des couleurs un peu naturelles. J'ai pris vraiment le jour de la sortie de la collab. J'ai pris vraiment ce que j'ai pu. Donc j'ai pu avoir que ces deux rouges à lèvres là. Plus les deux palettes. Mais comme je vous dis à la fin du mois, promis, je vous fais une vidéo entière avec... toute la collection, il y a des paillettes et tout, il y avait des trucs vraiment super jolis, et j'ai trop hâte de vous montrer, de le recevoir surtout. Et donc j'en ai le deuxième, c'est des oranges, comme vous pouvez le voir sur le capuchon, et ça sent vraiment l'orange, et franchement c'est trop cute, et j'aime beaucoup les couleurs, et
très important, je sais pas si je vous l'ai dit, mais ça tient, ils tiennent hyper bien les rouges à lèvres. Donc voilà un petit peu pour le make-up ACNH collab avec Colourpop. J'avais trop envie de vous montrer tout ça. Et bah du coup c'est parti, on va partir sur le haul. Donc j'ai reçu, comme je vous l'ai dit, 3 bodys. Avant que j'avais déjà ouvert. Donc toujours, il y en a 2 qui sont de la marque Baby Geek. Et le troisième, c'est notre marque, que j'ai trouvé ça sur internet. Je sais plus c'est quoi. Ah oui, c'est Shaman. Vous allez voir, il est trop rigolo. Donc ils sont un peu froissés parce qu'en fait, je les ai lavés et je ne les ai pas repassés, quoi. Du coup, on a le premier body comme ça. Hop là! Donc elle écrit future gameuse comme papa et maman. Je trouvais que c'était trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien. Donc avec la petite manette en mode un peu pixel, donc ça fait un peu ça fait un peu rétro, mais en vrai c'est pour ça que je trouvais super mignon. Je crois que la marque vous pouvez retrouver sur Amazon. Mais le mieux c'est de recommander sur le site, je pense que c'est beaucoup mieux. Enfin voilà pour le premier body. On est parti sur le deuxième body pour tous les fans de Game of Thrones, la série. Moi j'adore vraiment la série, et donc du coup c'est un petit peu pour ça aussi que je l'ai pris. Ce body là, et bien voilà, c'est Doudou is Coming. Donc je sais pas si vous reconnaissez, c'est genre en gros le trône de fer avec le doudou dessus. Franchement c'est trop mignon, je sais pas ce que vous en pensez, mais celui-là franchement je l'adore. Je pense que je vais tous les adorer en fait. Je pense que je vais tous les kiffer, je les kiffe déjà tous, hein, les bodys que j'ai choisis évidemment. Donc c'est les deux là que j'ai vous montre avant, qui sont sur cintre. Je les ai commandés bien avant en fait, et ensuite j'ai refait une commande sur le site. En fait je connaissais pas le site et j'ai redécouvert le site après, j'ai cherché le site. Du coup les deux là je les avais commandés je crois sur je les ai commandés sur Amazon. Bref, ok, on passe au troisième qui est pas de la marque Baby Geek, qui est d'une autre marque qui s'appelle Shaman. Je le trouvais trop rigolo, mais vraiment trop rigolo. Pour tous ceux qui aiment Star Wars cette fois-ci, et bien voilà, c'est un petit body avec la tête en fille de Dark Vador, mais en bébé quoi, avec écrit, attendez vous voyez pas bien, je suis ta fille. Le petit body en rose que vous pouvez également commander en blanc. Vous allez voir, il y a plein de tailles différentes, hein. Il y a du 6 mois, du 12, enfin il y a vraiment, j'ai pris un peu de tout, j'ai pris des manches longues et des manches courtes. Et sans plus tarder, c'est parti. Donc on va ouvrir, on va déballer les petites boîtes comme ça. Donc évidemment je les ai commandées sur le site, donc je les connais déjà, mais je les ai pas vues en vrai, et comme ça on va les découvrir ensemble. C'est parti pour le premier, ah oui, trop mignon. Trop mignon. Celui-là, c'était vraiment une référence à moi. J'espère qu'elle sera pas comme ça plus tard. Je sais pas. En tout cas, voilà. C'est un petit body avec un Grumpy Cat. Je sais pas si vous connaissez le Grumpy Cat. C'est le petit chat pas content. Et franchement, il est mais trop mims. Il est trop mignon, ce petit body. J'aime trop. Et ce qui est rigolo, c'est que tous les matins, quand je bois mon thé ou mon café, mon dessous de verre dans mon bureau, c'est un Grumpy Cat, parce que c'est exactement en fait comment je suis le matin. Voilà, ça c'est moi le matin. Donc c'est pour ça qu'évidemment, j'ai craqué sur le petit body Grumpy Cat. Hein. Je vous le remontre. Franchement, il est trop beau, quoi. Les yeux sont super bien faits. Franchement, il est vraiment trop joli, quoi. Allez, hop! On va passer du coup au suivant. Hop, je vais mettre les boîtes ici. Je sais pas ce que je vais faire des boîtes d'ailleurs. Elles sont trop cute, mais je sais pas du tout ce que je vais en faire. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me dire. N'hésitez surtout pas. Alors, le deuxième. Ah ouais, c'est trop mignon. Ils sont tous super mignons de toute façon. Donc là, maintenant, on est sur un body manche longue. Petit body manche longue. Regardez les petits motifs. Le petit imprimé, il est trop cute. Donc, il y a écrit « I'm so kawaii ». Franchement, c'est trop mimi. Donc, il y a un petit biberon, il y a une petite étoile, il y a le petit chat, là. Hop, là, ici, le petit chat, là, comme ça. Il y a franchement, c'est trop joli. Petit arc-en-ciel et tout. Il y a même un petit lapin en bas et une petite licorne. Franchement, trop mignon. Trop mimi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pareil, n'hésitez pas à me dire. Et n'hésitez pas surtout à me dire quel est votre body préféré. Lequel est-ce que vous avez préféré? Oh, moi, je sais pas du tout lequel j'ai préféré. Déjà, le Grumpy Cat, le chat pas content, c'est sûr, j'adore. J'aime trop. Allez, c'est parti, next. Sur lequel on va tomber. Je me souviens même plus, ça fait longtemps que je les ai commandés en vrai. Franchement, ça fait hyper longtemps que je les ai commandés. Ah, yes. Ah ouais, un petit... Ah, trop mignon. Pareil, body manche longue, c'est un petit dragon rose.
voilà, en référence toujours à la série Game of Thrones que j'adore. Il est trop mignon. Trop mimi. Voilà pour le deuxième body, le troisième, pardon. Hop, voilà. Les petites boîtes. Alors, suivant. En tout cas, si ça vous plaît ce genre de vidéo, n'hésitez surtout pas à me faire savoir dans les commentaires. Et puis, bah écoutez, je vous en ferai plus, hein. Je vais commenter quelque chose de fou. Et franchement, il y a moyen peut-être que je vous fasse une vidéo, je sais pas. On verra si cette vidéo, elle marche bien, si ça vous plaît. Et ben, je vous en ferai d'autres. Alors, ça, c'est en référence à la série Stranger Things. Et donc, il y a écrit Stranger Bébé dessus. Alors, attendez, j'attends juste que le focus, il se fasse bien. Ah, voilà. Voilà, donc là, c'est un body manche courte. Et j'adore la série. Mais surtout, je l'ai pris particulièrement, ce petit body-là, parce que j'ai ma grande belle-fille, Vava, qui adore la série, mais grave, Stranger Things. Elle est grave fan de Eleven, donc c'est Millie Bobby Brown qui joue le rôle de Eleven. Et donc du coup, je l'ai pris un petit peu pour ça, du coup, parce que voilà, je sais qu'elle aimait bien et je pense qu'elle va le trouver super mignon, quoi. Alors, suivant. Suivant, c'est parti. Ok, ah ouais, il est pas mal, celui-là, il est très mignon. De toute façon, ils sont tous mignons, hein. Ils sont tous cute. C'est parti, donc voilà, petit body à manches courtes, future gameuse level 1. Franchement, je trouvais ça trop rigolo avec le petit bib, comme ça, genre en mode pistolet. Franchement, je trouvais ça trop mignon. Donc voilà pour celui-ci. Franchement, cette marque, elle est trop cute. Il y a un truc qui était en rupture, qui était super dommage. C'est, vous savez, comme la girafe de Sophie la girafe, pour que les bébés se fassent leurs dents dessus. Et donc, il y avait exactement la même chose, mais avec des Game Boy et tout. J'ai trouvé ça mais trop mignon. Je me suis dit, c'est pas possible. Il faut que j'arrive à en commander la prochaine fois. Vraiment, j'ai vraiment trop flashé sur cette marque. Il y a des bavoirs, il y a des pyjamas pour les mamans qui sont enceintes. Il y a des t-shirts. Il y a des petites robes aussi. Il y a vraiment plein de trucs pour toutes celles qui sont intéressées. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, hein, sur le site, hein. Je suis pas du tout une collab avec eux, je suis pas du tout en partenariat. J'ai juste découvert la marque comme ça et j'ai trouvé que c'était trop mignon et j'avais trop envie de vous faire découvrir parce que ça reste encore dans l'univers du gaming et je trouvais que c'était cool de le partager avec vous. Oh purée, celui-là il est trop mignon aussi. Il est trop mimes. J'ai grave flashé sur celui-ci, je me souviens super bien. Donc voilà, petit body encore à manches courtes, avec une petite pieuvre. Et regardez, il y a un petit Pikachu. Il y a un petit Pikachu dans les bras de la pieuvre. Franchement, trop mimes, avec une sucette et tout. Ça me fait penser, vous savez, les petites pieuvres, les bébés pieuvres, ça me fait penser en fait à une peluche qui se faisait beaucoup là en ce moment, avec une pieuvre qu'on peut retourner suivant notre humeur. Et ben, ça me fait grave penser à ça. Franchement, il est trop beau. Regardez-moi les yeux de la pieuvre. Mais c'est tellement trop kawaii. Franchement, j'adore. Je trouve trop mignon, celui-là. Je pense qu'il fait partie de ceux que j'ai préférés. Après, je sais pas du tout ce que ça va donner pour la qualité. Mais en vrai, je les ai pas trop achetés pour ça. Je les ai achetés parce que je les ai trouvés trop mignons. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Alors, c'est parti. On va passer au suivant. On passe au suivant. Ok. Bon, c'est que des body imprimés. Hein. Encore un manche courte. J'ai pris beaucoup de manches courtes, dis donc. Hein. Après, j'ai pas acheté que chez eux, évidemment. Hein, mais ah, il est pas mal. Il est très mignon, celui-ci. Alors, c'est parti. Hop. Avec l'imprimé bébé geek dessus. Et franchement, trop mignon. La petite manette à l'ancienne. C'est la manette, ça, si je dis pas de bêtises, de la... C'est pas de la Nintendo. Oh, je crois que c'est... Ouais, c'est ça. C'est la Nintendo. C'est même pas la Super Nintendo, parce que la Super Nintendo, la manette, elle est un peu ronde. Et donc là, voilà, trop mignon avec la petite abeille et tout. Regardez-moi ça. Je crois que c'est un petit panda ou un petit koala. C'est peut-être un petit... Je sais pas. Je sais pas du tout si c'est un panda ou un koala. Je sais pas. En tout cas, c'est trop mignon, les petites notes de musique et tout. Non, trop cute. Beaucoup trop cute, l'arc-en-ciel. Franchement, j'adore. J'aime trop. Il est trop mignon. Trop mimi. Alors, hop. Allez, c'est parti. Le suivant. Hop là. Oh oui, c'est vrai, celui-là, il est trop mignon aussi.
Et ben c'est pareil, toujours un body, manches courtes, j'ai pris plein de manches courtes, hein. J'arrête pas de le redire, mais ouais, j'ai pris plein de manches courtes. Donc voilà, trop mignon, c'est un petit body avec un... C'est trop mignon, c'est une licorne, ouais, c'est une licorne. Oh là, trop mignon, en train de faire dodo. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore celui-là aussi. Trop mignon, j'ai trop hâte de lui faire essayer tout ça, dis donc. Hein. Oh, j'ai trop hâte. Après j'ai trouvé plein de choses aussi chez Disney, j'ai trouvé plein de trucs chez Disney. J'aime pas non forcément trop les vêtements Disney pour les enfants, mais les petites choses qui sont très simples. Il y a toute une collection avec le petit chat Marie, et franchement c'est très discret, il n'y a pas genre écrit Disney partout et tout ça. Et franchement c'est trop mignon, je sais pas si vous connaissez le petit chat Marie, mais il est trop mignon, trop cute. Allez c'est parti, body suivant. Ah yes. Allez, on est parti sur un manche longue cette fois-ci. Trop mignon. Voilà, des petits chats qui sont en train de se manger une glace. Non mais regardez-moi ça. Les petits chats, des petits minouches qui sont en train de manger une petite glace. Et il y en a un qui est assis sur un donut. Franchement, trop cute. Trop mimi. J'aime beaucoup celui-ci aussi. J'arrête pas de dire ça, mais en vrai, je les aime tous. Je les aime tous. Donc voilà pour le body suivant. Et on va arriver au dernier body. Hop là, on va arriver au dernier body, je sais plus du tout, je me souviens pas du tout de ce qu'on... Ah yes, si. Oh, oh ouais, celui-là il est trop cute, ah ouais, celui-là il est trop mimi, j'adore. Ok, c'est parti. Ah oh ouais, body manche longue, ah non il est trop mignon celui-là. Voilà, c'est un petit Spider-Man chat qui fait miou. Oh non, il est trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, franchement, il est trop cute. J'adore. Oh, j'aime trop celui-ci. Ok, et bien voilà, on a tout ouvert ensemble. Je suis hyper contente d'avoir partagé tout ça avec vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires de cette vidéo. Est-ce que vous avez envie que je vous fasse d'autres vidéos, plus de vidéos comme ça? Eh bien, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, un grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin. Je le rappelle, la marque que je vous ai présentée s'appelle Bébé Geek. Je vous mettrai le lien du site internet dans la description de la vidéo si vous avez envie d'aller faire un petit tour sur ce site. Franchement, il y a plein de petites choses hyper sympas. Surtout, bah, si vous avez aussi envie de faire un petit cadeau à quelqu'un, franchement je trouve que c'est de très bonnes idées cadeaux, aussi pour les mamans si vous êtes enceinte et que vous avez envie de trouver un petit t-shirt sympa ou des sweats. Il me semble qu'il y avait pas mal de choses très sympathiques aussi pour les mamans. En tout cas voilà, bah, si vous me découvrez sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des petits pouces bleus, et moi je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo ou sur un live. Des bisous les kibichis.